Bonjour, c'est Gray Fox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un Best of Forge Magie. Vous y verrez les plus belles réalisations et les meilleures séquences. Bon visionnage. Petit passage d'une rune patate au crit sur des Yuyettes où il manque une Rasa avec deux lignes. Enfin, non, aucune ligne négligée en fait. C'est pour aller sur un Yop-Terre colis full dégâts pour passer des one-shots. Voilà, donc c'est pour ça que je me permets de négliger la Rasa. Si c'était pour jouer plus sérieux, je l'aurais mise, mais là. C'est pour tabasser comme un singe. Tentative ambitieuse de crit rune répoux sur une magnifique cape du Valet Vénard, moins un vita, moins un répoux. Si on peut passer ça, ça change complètement la valeur de l'item. Est-ce que ça crit? Ça ne crit pas, dommage. 95 depuis. On va y aller sur double passa, qui passe plutôt bien. Je suis plutôt récup à la pod qu'à la pavie. Ok, nice. Bon là, le problème, c'est qu'il faut faire des overstats, mais à ce niveau-là, le G était tellement haut en fait de base que. Vas-y, ok, ça passe, c'est excellent. Moins 7, j'ai 8 en rab, on peut mettre une esquive PM. Qui crit, let's go. Ok. Parce que là, je m'attends à ce que la vita, je vais devoir la baisser pour être en congruence à 505. Donc, je préfère pas trop monter la vita. Plutôt juste tenter le moins 6 quand on aura fait un over. Donc je viens continuer avec des prosp. Si je peux récupérer éventuellement. J'ai presque envie d'accepter un near perf chance comme ça pour aller sur un stuff agi. Mais si je commence à réfléchir comme ça, on va pas aller loin. Allez. Moins 40, malheureusement. Ouais, c'était sûr, mais. Ok. On va go double attaque. Bon, du coup, il reste 39, ouais, c'est un peu triste en vrai, mais bon. Ok, le crit. Donc là, en fait, le meilleur scénario, c'est je fais un moins 6. Ah. Alors, c'était pas ça le plan. Si j'avais eu un moins 6, on avait moyen d'aller choper le perf de 505. Let's go! Alors, malheureusement, du coup, là, il me manque 1, j'ai que 3 tentailles et pas 4. Ça aussi, j'avais un peu de puits d'avance, ce qui n'est pas complètement impossible en soi. Donc on a une, deux, trois. Oh! Bon. C'était un peu de la chimie, mais en soi, je suis allé les chercher. On pourra pas me. Hein, on pourra pas me dire que je ne mérite pas le petit 42 4 rachats pour aller chercher les 80. Bon là on est sur un perf 505 Vita sans le PO, mais le PO pourrait être mis après si on veut. Donc là on est sur une énorme tenta. Est-ce qu'on a le PA là-dessus, les amis? Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 93 depuis. On va go. Pas ça. Moins 3. Est-ce que je mets une pavie? En vrai, non. Si j'ai pavie, ça me fera 20. Ça me fera 19 à enlever. Bon, non, tranquille. On va y aller comme ça. On va mettre le 2R maintenant, moins 2. Bon, faut passer les overs maintenant. Nice. Moins 20, c'est correct. J'ai compté moins 3 pour une passe, me dit le chat. C'est pas bien ça, Grifox. Je recompte, je recompte. Moins 9. Moins 2, moins 30, 52. Qui fait des erreurs depuis ici? Personne. Ok, 52. Ok. Il reste 4 tentats. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA. C'est une belle tentade au sort. Est-ce qu'on peut crit un dommage sort là-dessus? Pas de crit de sort. Est-ce qu'on peut casser le PA avec une ravie et repartir direct en over? Non plus.
On continue le FM tranquillement. 97 depuis. Ok, moins 18. On va go prosp. Allez, la rachat, c'est maintenant. Moins 10. Ok. Est-ce qu'on passe la rage? Yes. Ok, on a potentiellement une belle tenta qui se profile. Le crit en plus sur les raises. On a 59. Moins 10. J'ai 49 là-dessus. Ça peut faire une belle tenta en vrai. On a 39. Alors il faut que je vire. Faut que je vire 28 là. 28, c'est quoi? 28, c'est une pod. Et là, en fait, l'astuce, c'est que là, il me faut un moins 1 pour gagner une tenta. Le chat me dit que j'avais un de plus sans puits. C'est vrai ce mensonge? Comment ça, j'avais 98? Ok, on a un mec du chat qui me dit que j'ai un de plus en rab, donc là j'ai 4 tentats à ravi en principe. Bah, si le chat le dit, le chat a raison. Donc on va croire le chat complètement. C'est parti. Après, si la rune prosp elle passe, ça règle le problème. Hein. Ok, ah, le moins 16 fait bader. Du coup, selon le chat, j'ai 4 tentats à ravi. Vas-y, on va faire le youtubeur putaclic, on va fermer les yeux, on va faire confiance au chat. Normalement, il n'y a pas de rouge. Ok, bah GG le chat. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA. Bon, ça fait une belle tenta d'ossor. Est-ce qu'on a le d'ossor? On n'a pas le d'ossor. Est-ce qu'on peut casser le PA direct? Non plus. En vrai. Non. On continue. 90 depuis. La tenta est potentiellement sympa en vrai. On peut rachat, moins 10. On peut récupérer sur le dos haut. Ah, parfait. Est-ce qu'on n'aurait pas un petit dos au feu par exemple? Petit dos au feu. Ok, ça passe pas. Est-ce qu'on a l'arrahage? Allez, une, deux, trois, quatre. Ah, oh, ça prend toujours masse puits. C'est dommage, là ça faisait une très grosse tenta sinon. Le tac qui passe pas. On a du coup tout pile 40. Ok, est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA. Est-ce qu'on a un crit dommage sort? On n'a pas de crit. Est-ce qu'on casse le PA? On casse pas le PA, on continue. 93 depuis, bon tenta pas dingue. À voir comment on peut récupérer tout ça. Hop, ok, ça passe pas si mal. Oh, par contre, la chance, pour la catastrophe. Pas de fragilité ici, on n'accepte pas du moins 1. Ok, on va go comme ça. Let's go. Nice. On va même mettre une pacha en fait. Enfin, une pacha, pardon. Bon, on s'en sort pas si mal pour l'instant. On va monter à 71 pour avoir un over pas trop violent à faire. Là, du coup, j'ai moins 11. Moins 20. 43 restants.34 là-dessus. 1, 2 et 3. Est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Bon, ouais, en vrai, on a les tentats de sort qui s'enchaînent. C'est quand même assez agréable. Je disais, je suis à peu près à un millier de tentats de runes dommage sort ou dommage distance ou dommage mêlée. J'en tente en boucle sur des jets comme ça, avec Overvita ou Exorez, depuis que les runes sont sorties.
Un jour j'aurai un crit, pour l'instant j'en ai eu zéro. Je dois vraiment être autour de 1000 tantas. Toujours pas. Je me suis dit, vas-y, je fais mon petit speech, en vrai, peut-être que ça va passer là-dessus. Pas du tout. 90 depuis. Bon, en vrai, on est assez bas là sur les lignes, mais il y a un potentiel que ça fasse des trucs. On va go pas âge. Moins 3. Allez, il faut mettre les gros over là. Moins 20. Ok, moins 10. Ça bouffe pas trop de puits pour l'instant, c'est cool. Nice, tout qui passe du premier coup, tout un succès neutre. Bon, c'était quand même assez gourmand en puits, mais il y a peut-être moyen de dégager une tenta correcte derrière. Moins 7, on a 3 tentas derrière, ouais, c'est pas dingue. Hein. Oh bah yes. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA. Bon, ça fait une belle tenta dommage sort. Est-ce qu'on a le crit dommage sort? On n'a pas le crit. Est-ce qu'on casse le PA dans la foulée? Non plus. Tant pis, on continue. 93 depuis. Bon. C'est parti. Moins 9. On va mettre une petite rune pros parce qu'on récupère. Oui, nice. Petite repère qui passe. Moins 3. Allez, il faut passer l'over, c'est la plus dure. Moins 20, c'est correct. Le petit dauphin. Ok. L'arracha qui troll, pas trop, ça va. Moins 10. Et l'esquive PM à moins 7, on a 44 depuis là-dessus. Ok, bon. Tenta dommage sort. Est-ce qu'on a le crit dommage sort? On n'a pas de crit. Est-ce qu'on casse le PA? On casse pas le PA, on continue. 93 depuis. On va commencer par la passa. Moins 18. La petite pa-age. Ok, moins 3. Moins 3. La ra-age qui passe. Moins 10. La ra-cha qui passe également. Moins 10. Moins 6, on a 43. Et en vrai, 43, c'est tout pile. Ça nous amène tout pile à 505 si tout passe en succès. On a toujours une pavie et 4 avis. Oh! Il me reste 10 depuis là. J'ai 300 à pavie. Si je crée une pavie, dinguerie. Hein. Normalement, il me reste une vie. Ok. Bon, si ça passe là-dessus, ce sera ok pour moi. 90 Vita. Je me fais toujours la réflexion en 90 d'over vitalité, ça pèse comme un exo 3% raise. Voilà, c'est pour donner à peu près une échelle. C'est un raisonnement qui vaut ce qu'il vaut. Hein. C'est pas forcément très pertinent, mais pour évaluer à peu près le poids de ce qu'on a mis en over exo, ça correspond à, voilà, 32 Vita, ça correspond à 1% raise. Donc 90 Vita, c'est comme un 3%. Est-ce qu'on a un PA là-dessus? Ça me ferait vraiment plaisir. On n'a pas le PA. 89 depuis. L'attentat est potentiellement sympa. Hein. On a la petite rage à passer qui passe. On va récupérer à la prosp. Ok. Rez, moins 12. L'esquive PM qui passe à moins 7. On a 60 depuis. 6 ravis. C'est parti. Ouais, ils font pas d'efforts aussi. On a le PA. Est-ce qu'on peut avoir un crit dommage sort là-dessus? Pas de crit. Est-ce qu'on casse le PA? Non plus. On continue. Ok. Le PA qui ressaute juste après ce qui s'est passé avant. Avec du crit, ça peut faire des trucs. On a encore les bonnes congruences. On va juste mettre 2 d'OR, moins 5, parfait. J'ai envie de mettre une petite rune vie. Moins 2. Et on a 7 ravis. On peut sortir un 505. Hein. Ah, là c'est du crit, là ça me plaît. Et 2 tentants en rab, si on le sort comme ça, c'est une dinguerie. Bon. En vrai,
Est-ce qu'on peut avoir le PA? Oh, j'y ai tellement cru. Oh, c'est dur. C'était si beau. Je suis tellement allé le chercher de loin, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bah, désolé, hein. 97 depuis. Alors, en termes d'over. Ok, on va mettre l'appâhage. Si elle veut bien passer, moins 12. On va monter la rachat à 86, moins 20. Comme ça, on récupère à l'arrêt paire. Ok. La J. Petit over de 1, c'est pas mal. C'est pour ça que je laisse toujours les stats en dessous de 70, hein, c'est pour pouvoir gérer la violence des overs que je veux passer. Le petit 2 haut qui crit, évidemment. Deuxième, moins 4. La passa, moins 9. Moins 10. Et moins 7. 25, ça fait pas des très grosses tentes en vrai. J'aurais limite pu tenter un ado pour gagner une ravie, en vrai, ça aurait peut-être été mieux. Bon. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? Est-ce qu'il nous ferait une tentative de dommage sort? Oui. Est-ce qu'on a le crit de dommage sort? Toujours pas. Et la ravie ne casse pas le PA, on continue. 98,6 depuis. On va commencer double passa. Moins 9, le petit crit qui régale, c'est parfait. On va mettre un petit dommage. Ok, ça part très très bien. On a des bonnes congruences. Le petit crit à nouveau. Allez, c'est parfait, ça, moins 20. Tac, tac, moins 10. 59 depuis là-dessus. Il y a moyen, je vais mettre 3 pavis, je pense. Il en faudrait une, dommage. 5, si j'en avais eu une, là, c'était vraiment bien. Ça pouvait me faire un 502, quoi. 5 ravis, let's go. Qu'est-ce qu'il me raconte le chat? J'ai raté le plus 1. Ah, j'ai pas compté le plus 1 du dommage haut. Oh, my bad. Bah maintenant c'est trop tard. Hein. Ok, désolé le chat. J'avais plus 1 que j'ai pas compté apparemment. Vas-y, on va mettre une vie du coup. Ah, c'est sad. Bon, ça reste quand même correct. J'ai eu un crit ravi en plus. Donc là j'ai du coup 0,6. Plus 10. J'ai soit. Enfin, non, bref, j'ai 10. Du coup, j'ai 3 tentatives à vie. Si je peux en crit une. C'est de la dinguerie. Non, j'ai une tentative à vie. Ok, et une encore. Ok, ça passe pas. En vrai, le petit PA là-dessus, ça régale. Ça sera ok pour moi, ça m'ira. Est-ce qu'on a le PA? De toute façon, je suis en mode, il me faut 90 mini. 487, ça passait pas. 492, ça passe. Est-ce qu'on a le PA, les amis? Ah, pas de PA. 97 depuis. La passa, moins 9. On va mettre une petite page. J'hésite à double rage. En vrai, on va faire ça. Ouais. J'ai senti le crit venir. Comme ça attaque la petite de R. Bon, bon. Bah oui, du coup, bon, qu'est-ce qu'on fait? Un petit repère. Et on récupère, mais c'est incroyable cette tentale. Hein. Mais ça passe en plus. Mais en vrai, dinguerie là. Hein. Là, c'est moins 4. On a 74 là-dessus. Mais en vrai, je crois que là, c'est la plus grosse tentale qu'on ait jamais eue là. 7 ravis là-dessus. On a moins 30, si on reste 44. 1, 2, 3. Et 4. Ok. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? On a le PA. J'ai presque envie de m'arrêter là temporairement avant de reprendre une autre session de tryhard sur l'item. Est-ce qu'on tente le 2 sort là-dessus ou pas? Ou est-ce qu'on le garde comme ça? Qu'en pense le chat? En vrai, je sais pas, j'ai eu des tentes à 505, ça fait mal de s'arrêter là-dessus, c'est faible comme over quoi, mais. J'hésite.
Le chat me dit garde, peut-être la voix de la sagesse. En vrai, je sais pas trop. Bon, je vais faire un sondage dans le chat. Et le chat va décider. 99 depuis. Allez, là, pas ça. Moins 19, 18, pardon. La repère. Ok. Petit rat. Ah! Moins 30. On récupère pas, dommage. La racha qui passe direct. On va mettre une petite pavie qui passe pas. Le 2 air crit. Et on a moins 12. 29. On va mettre 3 pavis de ravi. On a le PA, ça fait une tentative dommage sort. Bon, elle est modeste, mais si ça passe là-dessus, ça fait plaisir. Ça passe pas. Et on casse pas le PA. 92,6 euros. Non, depuis. Je me suis fait bait par le chat. Moins 9. Ok, on a 31. On va aller chercher peut-être la petite page qui passe, c'est pas mal. On va aller chercher les 70 de chance, moins 9. Le chat qui se moque de moi. Allez, les ravis. Enfin, les rats tout court, moins 10. Ok, le puits se passe plutôt bien. Et ça crit, 64. Le chat me perturbe à fond. On va faire genre tout va bien. La petite pavie. Les pavies passent jamais, c'est un peu relou. Allez, on a 6 ravis. Peut-être un gros jet en Vita. Ok. En vrai, elle est belle. Hein. Est-ce qu'on a le PA? Enfin, si ça passe sur la séquence où je me suis fail sur le commentaire, je suis abattu. Est-ce qu'on a le PA là-dessus? Ça, ce serait OK pour moi. On n'a pas le PA. 98,3 depuis. J'ai compté un peu vite, j'espère que je ne me suis pas planté. On va dire que c'est ça. Si je me suis trompé, le chat, je compte sur vous. Bon, le puits est pas trop mal. On a 32 sagesse. En vrai, on est bien là. On a la petite Pacha, peut-être. Moins 3. Lara Age. Qui crit. Ça peut faire un truc sympathique. Moins 5. Allez, la racha qui passe, moins 10. Les petits crits, moins 5 à nouveau. Et moins 13. On a 52 là-dessus. Allez. Ouh. Allez, big. On a moins 30. J'ai 22 là-dessus. What? Le chat me dit que c'est bon. En vrai, 22. J'espère que je vois pas du rouge à la fin. Hein. Je fais confiance au chat qui a reconté. Oh, le chat, vous aviez un job. On me donne des fake news aussi. Est-ce qu'on a le PA? On n'a pas le PA. 98,6 depuis. Ok, là, pas ça. Moins 9. L'attentat est belle, hein? On va mettre une petite ruine prosp. On récupère, ça régale. La rage. Moins 7. Oh, ça passe direct. Ça, c'est très très cool. Ok. Dommage. Moins 7, moins 17. Et on a 55 de puits là-dessus. 1, 2, 3, 4. Ouais, on l'attente, on l'attente. J'ai failli me demander est-ce qu'on l'attente ou pas, mais bien sûr qu'on l'attente en fait. Hop, allez, un peu de chimie, un petit moins 2 peut-être. Ah. Ah bah super. Bon, dommage. On a 15,6 là-dessus. Allez, la ravie, c'est la ravie de l'espoir, c'est maintenant. Ah oui, c'est vrai que le jeu est éclaté, j'avais oublié ce détail. Ça me bouffe du puits, c'est super. Moins 1. Oh, j'ai jamais douté. Du coup, on a. Bah, on peut plus rien tenter là. 501 en vrai. Bon, c'est un peu fait bolos sur la gestion du puits, mais tranquille.
En vrai, j'aurais pu faire mieux, j'aurais peut-être pu tenter un mini over avec le puck que j'avais en rab et y aller à la pod si ça passait. Bon, c'était très hypothétique, hein. Ça aurait eu très peu de chance, mais ça aurait été peut-être optimal sur le papier. Bon, est-ce qu'on a le 500 Invita? On l'a pas. 92 depuis. Ok, je sais comment on va faire. On va faire double rachat. Moins 20, et on récupère peut-être à l'appâhage. Non, dommage. Moins 12. Moins 10. Bon, c'est assez coûteux. Ouf. 23 restants. C'est un peu triste. On a le PA. Ça fait une belle tentative de dommage sort. Pas de dommage sort. Et on casse pas le PA dans la foulée. Dommage, on continue. 97 depuis. Moins 9. Ok. Ça se présente bien, la logée est très très fat, si les overs passent bien, moins 20. Ok, moins 10, allez allez, peut-être maintenant. 58 restants. Ouais bon. Dommage. Bon, on s'est pas fait régaler, hein. Pourtant l'attentat était belle. C'est tout le temps sur les tentats éclatés que le PA repasse. Pas de crit, dommage sort. Et on casse pas le PA derrière, dommage. On continue. 95 depuis. Toujours un kiff de sauter le PA avec une passa qui nous amène au G-Max en sagesse. Il y a un potentiel sur cette tenta. Il nous faut l'arrahage. Oh yes. Peut-être que c'est maintenant qu'on se fait pas trop arnaquer par le jeu. Et qu'on a le droit au bonheur. Moins 10, elle est très très belle. À voir ce que ça donne par la suite. Mais là, c'est de la grosse tenta, là. Toujours plus de crit. Moins 10, on a 75 depuis là-dessus. On va mettre une petite pavie. Dommage. Deux runes vie. Et 7 ravis. Je veux voir un 496. Let's go. J'ai jamais douté. Les amis, est-ce qu'on peut avoir le PA là-dessus? C'est quand même plutôt très propre. On a le PA. Ben c'est fini? Déjà? Bah je commençais seulement à m'échauffer sur l'item là. C'est bizarre ça. Bon, ça fait que 10 jours que je suis dessus en vrai. Bon, ok. Bon, toujours un petit peu frustré de ne pas avoir le 505 Vita quand on l'a vu proc plusieurs fois. Mais bon, bah écoutez, c'est la vie. Donc le PO, on va le laisser en off pour l'instant. Encore une fois, idéalement, c'est comme c'est pour aller sur un sacrieur. Il me faudrait la PO parce que je joue parfois avec le sort rituel de Jashin, qui est le seul sort à PO modifiable du Sacrieur. Et j'ai pas encore décidé si le sort était incroyable ou si s'il était nul, donc bon, je continuerai mes tests. Donc à terme, ça prendra peut-être le PO. Mais en tout cas, pour l'instant, pour jouer avec et continuer à mettre en place mes modes, à faire mes expérimentations, je vais m'arrêter là-dessus. C'est la fin de ce Best of Forge Magie, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à bientôt.